YouTube, j'en faible. On est reparti. On va continuer d'enchaîner les quêtes. Le but, c'était d'accumuler des objets intéressants, si possible. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Bah, écoutez, on va aller faire la quête qui est à 300 mètres. Ça me paraît un bon plan. Et allons-y, tapons des choses. Quel endroit accueillant. Le Wasteland, on adore. Ok, nous y voilà. On n'est pas très loin de l'endroit où on avait fait la quête la dernière fois. Alors je vais être un peu rouillé, je pense. Ok. Oh. Prévisible, hein. Oh, il y a du peuple là-dedans. Petit bâtard. Madame. Vous êtes en train de marcher sur votre petit copain. Ça s'est barricadé là-dedans. Ça suffit. Arrêtez de vous agiter. Ah. Oh. Bah, vous vous foutez là, vous? Vous êtes dehors? Oui, c'est bien possible. Oh là là. Je suis rouillé. Hein. Ok. On en a un qui vient par là, non? C'est ça? Ouais. Ok, parfait. Comme ça, on entendra la porte se casser si quelqu'un approche. Ok. Ah, intéressant ça. Sympa. Petite. Ok, très bien. On aura la sortie par ici. Donc on a un chemin intermédiaire. Oh. Parfait. Ok. Oh, la petite, le petit plan. 52. Hein. On n'est pas rendu. Mais je suis même pas sûr qu'on fasse la voiture. Parce que la voiture, elle n'est pas forcément très intéressante. Mais attendez, il y a un étage ici. Il y a un étage là-haut. Il faudra que je vois comment on monte. Bon, descendons. Ça va se passer par ici. Est-ce qu'on voit des trucs là? Non. Peut-être là-bas. Ah. Oh, d'où ça touche, il n'y a pas l'animation. Petit bâtard. Il n'y a pas l'animation, il n'y a pas l'animation. On est désolé, mais il n'y a pas l'animation. Ouais. D'accord. J'étais un peu bloqué dans la matrice, là. Oh, ça, ça vaut peut-être le coup de... Ah, j'ai gardé mon pistolet à clous. Ça, c'est pas cool, ça. Ok. Ah, oui. C'est là, les ennuis, non? Ah, c'est là qu'on monte. Tu me vois, lui? Ah ok, l'étage est ici. Ah. Il y en a là-bas. Ok. Très bizarre, ce petit placard. Très curieux. Bon, après, c'est un grenier. Hein. On sait très bien que dans les greniers, on trouve que des trucs bizarres. Ok, ça, je pense jamais à le faire.
Ok, alors là... Ah. Oh putain! Mais d'où il me voit? Je le vois pas! Oh putain, comment je me suis fait défoncer! Oh là là, et le tirage à travers la vitre, ça c'est scandaleux ça, on veut pas ça. Moi je... non, je demande un ralenti là. Ouais, faut que je fasse gaffe, ma vie est basse du coup. Oh, il m'a vu, Ouais, bon, ok, il m'a peut-être un peu vu, ouais. Admettons. Ok, on va faire attention, là. Hein. Ah, c'est là que ça se passe. C'est bon. Eh ben mon vieux. Terrible histoire. On a une porte verrouillée là. Oh, c'est intriguant ça. Par contre, il n'y a pas de loot ici. Ah si, il est là. Ok. Très bien. Prenons ça. Commence blindé. Commence blindé. Ok, je vais me remettre un bandage là-dessus. Et là-dedans, l'art de l'extraction minière. Davantage de pierres précieuses grâce à ce petit conseil. Ok. Alors, on avait vu qu'il y avait une trappe ici. What the fuck? Ah, prenons le flingue plutôt. On arrive où là? Ok. What the fuck? Ouais. Ça donnait par où? Ah oui d'accord, ça donnait par là et c'était barricadé. Ok. On va looter vite fait. Ok, les explosifs. Les explosifs, il va falloir que je m'y consacre. Ça peut être pas mal. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ça donnait où? Je crois que ça donnait dans l'entrée, peut-être. Attendez. Ah non, d'accord, ok, ça donnait ici. Ok, ok, ok. Ok, bon, ça me paraît bien. Hein. Voilà, bon, bah, ça, c'était... Ce qu'on veut pas, c'est un ours, quoi. Hein. Ça serait bien. Ok, et ça, à la revente. Let's go! Alors, pistolet à clous, je pense que je vais le garder, je vais le poser chez moi. Comme ça, si jamais... Parce que le pistolet à clous, on va le ramener à la base principale, évidemment. Du coup, ça m'en fera un ici. Comme ça, si je l'oublie, bah, j'aurai un pistolet à clous ici. Alors, il est bien notre petit pied-à-terre ici. Normalement, on devrait arriver à avoir tous les loots dont on a besoin ici. Voilà. Si on arrive à pas se péter la gueule. Voilà. Alors, tout ça, c'est à vendre. Donc, on va aller voir le vendeur à l'instant même. Allez-vous. Oh, putain, je l'avais pas vu. L'ours géant des enfers. Oh, y a rien. Y a rien. Tout est maîtrisé, évidemment. On avait encore du bordel ici. Bah, je vais le ramener à la base. On va se faire l'ours. Voilà. Alors, mon ami? D'ailleurs, ça restocke quand les vendeurs? Paquet de magazine. C'est complètement oui. On a une récupération à 200 mètres. Let's go. Hein. Alors, inventaire. Jour 46.
Ouais, on est 45. Du coup, on fera le retour dans la nuit. Comme ça, on pourra faire les vendeurs près de chez nous. Un peu tous les vendeurs. Ça permettra d'acheter potentiellement des choses intéressantes. Ok, parfait. Et alors là-dedans, on a quoi? Nickel. Oh, on a bientôt le creuset, ça y est. Une partie de la prophétie se réalise. Allons-y. Oh, le 71 sur 75 pour avoir l'acier, ça c'est parfait ça. Parce qu'au pire, on finira par avoir les plans pour crafter ce qu'on a besoin. Ce qu'on voudrait là, c'est juste une bonne arme automatique. On a déjà une bonne arme. Hein. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir la M60... La M60, c'est de l'amour. Hein. C'est de l'amour distribué en quantité importante. Ok, la quête est ici. Oh, du premier coup. Non mais c'est incroyable. Bon, j'étais en rafale, donc j'ai tiré sur plein de trucs en même temps, mais là... là, c'est grandiose ce qui vient de se passer. Ok. J'ai pas fait gaffe s'il y avait un ours ici. Merde, j'ai raté mon saut. Ça tombe bien. Ok. Ok, très bien. Oh. Oh, ça, c'est du plaisir, ça. Oh, le jeu est généreux. Ouais, non, on a déjà à la maison en quantité importante. Bon, le sable... Voilà. C'est très bien. Oh non. C'est ici qu'il y a les zombies ninjas. Petit bâtard. Ouais, pas deux fois. Hein. Exactement à cet endroit-là, j'avais pris un gros taquet dans la gueule. Taquet illégal, bien entendu. On était sur de l'illégalité parfaite. Ok. Ah. Chargeons le flingue. Ok, je crois que c'est la suite par là. Du coup... Ça arrive dans mon dos, là, non? Non. Ok, parfait. Les récupérations, j'aime moins parce que j'avoue que les points rouges, c'est quand même une sacrée aide. Le fait de voir combien il y a de zombies et tout, c'est vrai que c'est assez pratique. Hein. Ouais, bon, le short, voilà. 96, on verra. On verra si... Ouais, ok, et c'est de là d'où on vient. Là, on va attirer tout le monde, c'est ça? Terribles images. Monsieur, sortez de là. Merci. Il faudrait le silencieux. Bon, le silencieux, ça serait stylé. Hein. Ok. Y a pas un seul qui s'effondre dans ce POI là? Ah, on voit des petits points verts là. Oh, c'est lui. C'est le bourrin. Ah non. C'est le... Bon, c'est le spider, on le déteste également. Hein. Après, globalement, on déteste un peu tout le monde. Hein. Ça s'effondre, là? Non, ça s'effondre pas. Très bien. Ok. Allons-y discrètement. Okay. Attendez, ça tape sur ma gauche. C'est bon, c'est bien sur la gauche. C'est par là.
complètement con, hein. Ok, parfait. Ah, ça y est, trouvé. Bon, bah, magnifique. Bon, la magnificence. Ok, alors la suite, c'est... Ah, bah, il y a un tuyau rouge, là. Putain, il y a le biker. Ah bah mon vieux! Oh l'increvable! Putain, ils sont increvables! Les bikers, ils sont terribles! Ok, alors ça, du coup, ça s'éteint. Bah oui, je me disais bien, il y a un tuyau rouge, c'est les tuyaux de... Voilà, c'est les tuyaux d'extinction. Ah, bah elle est là. La jauge est là. Très bien. C'est dommage que ça fasse... Enfin, si peu de dégâts. Ah oui, c'était par ici. Parce que je me disais, à exploiter, dans une base anti-horde, ces petites flammes, je sais pas ce que ça vaut. Après, faut vraiment trouver le POI où on peut adapter tout. Ok, là on a... Est-ce qu'on a autre chose? Évidemment. Voyons voir. Très bien, c'est réussi. Bah nickel. Alors là, la M60. C'est non. Bon là, du coup... Ah! Oh, 73. Regardez, vous le sentez? L'acier. L'acier qui arrive doucement, mais sûrement. Ok. Parfait. Ah, je crois qu'on a de la visite. Gagné. Bonjour. Ah, c'est ça, c'est la... C'est la compagnie des joyeux lurons. Par contre, je suis plein. Je vais aller mettre dans la moto tout ce qu'il faut. Allons récupérer tout ça, et y compris d'ailleurs ceci. Alors là, on avait tout pris. Là... Il manquait ça. Bon là, il y a peut-être des trucs bien, là. Électricité. Électricité, pourquoi pas. Ok. Les outils. Oh, ça, c'est oui, ça. C'est vrai qu'on a la foreuse, maintenant. Il va falloir qu'on la fasse. Bah, let's go, hein. On va rendre ça, hein. Salut. Oh, de l'acier. Ouais, why not. Je suis plein. Attends, on va acheter ça. Voilà. Ah, j'ai un truc en plus. Ah, très bien. Qu'est-ce que je jette? Ça, et le 1 de bois, ça, c'est jetable. Paquet de pièges. Ah, paquet fusil de chasse. Je vais peut-être avoir un meilleur fusil, moi. Oui, je pense, hein. On est d'accord là-dessus. Mission spéciale. Ouverture des routes commerciales, ça me va. 400 mètres. On a une infestation à 400 mètres. On va aller poser tout ça à la base. Alors là-dedans, on a de l'acier. Oui, il y a un sac bleu là-bas. Oh, c'est incroyable. Comment ? Ah, oh, il y a un sac jaune. Mais quelle est cette histoire ? Comment c'est possible ? Attendez. On va laisser des trucs ici. On va laisser les moteurs. On pensera les récupérer, bien entendu. Évidemment. On n'est pas du genre à oublier des trucs. Il y a un sac jaune là-bas. Évidemment. On est tellement dans l'abondance. Magnifique. C'est incroyable, ça. Les sacs qui restent comme ça. Je croyais que ça dépopait. Est-ce que ça serait pas un peu buggé, des fois, la dépop? Vous voyez? Ah, il y avait ça pour la vente. On a oublié de vendre. C'est pas grave. C'est normal. Je vais garder les stéroïdes sur moi.
Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un fusil, a priori moins bien que le mien. Ah oui, il est moins bien. Fusil de chasse qualité 4. Très bien. Ok, tout est rangé, j'ai plus qu'à aller chercher les moteurs que j'avais laissés que j'avais laissé là. On va mettre ça ici en bazar. On fera les rangements à terme. Hop. Ah bah il est juste derrière. Oula, attendez, c'est où ce truc? C'est juste ici. J'aime pas du tout, hein. Où il y a le camion là, ça m'intéresse. Oh, bientôt. Bientôt nous allons avoir ce qu'on cherche. Il n'y a pas un chien là ? Elle était dedans normalement. Hein. Bon, je ne sais pas si les extérieurs font partie du POI, donc pour l'instant, on est ok. Il y a un fucking ours là. Ok, allons-y. Je me prépare à me barrer. Hein. Parce que là, infestation, ça veut dire masse de monde. Personne. Étrange. Allez, venez mes petits loulous. What? Terrible. Hop, à travers la porte. Ok, on a du plan là. Oh, regardez ça, le creuset, ça y est. Magnifique. Ok, toi t'es passé là. Ok, donc ici, ça va être le bordel, hein. Imagine bien. Hop là. Vous voulez pas descendre là pour... Oh putain. La mama. Costaud. Très costaud. La mama, faut se méfier. Là, il n'y a personne. Ok. Ok. Ça, je vais laisser ouvert. Je me souviendrai que c'est fait. Non, mais une matraque. Une matraque à tuyaux, il se fout de ma gueule. Petit bâtard. Oh, le casque militaire. Bah. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, on a vu un gros là-bas. Ouais, on le voit. Regardez ça. Petit bâtard. Est-ce qu'on peut lui avoir la tête, là? Oh oui. Oh, il y a un flic, là. Ah non, peut-être pas. Petit bâtard. Comme si je l'avais pas vu. On confond le... Oh. Ouais, sur une jambe. Il marche à cloche-pied. Ils nous l'ont déjà fait, ça. Ils se mettent à courir. Ils se mettent à courir à cloche-pied. Par contre, on a récupéré un super casque. Attendez voir. Oh oui. Oh là là. Bon, j'avais un bon casque. Mais ça fait très plaisir. C'est très bien. On apprécie beaucoup. On apprécie énormément. Alors du coup, le reste du bazar.
s'arrêter là. Ok. On se doute bien de ce qui va se passer. Ça va être la douillasse. Est-ce que je la joue subtile? Évidemment que je la joue subtile. Oh, le petit bâtard. J'ai dit subtil. Subtil, voilà. Mais... Eh ben dis donc. Le truc de bâtard. T'as tout ce qu'il y avait au plafond. Mais c'est fou. C'est dingo. Hein. Allez hop. Rangeons. Enfin, rangeons. Lootons. Voilà, bon, si vous avez besoin de cours de finesse, hein, n'hésitez pas à me demander. Je donne des formations en subtilité. Accro à la technologie. Un répulseur matraque. Très stylé. Le répulseur matraque extrêmement récréatif. Hein. Ok. Ok. Bon, là, on était plutôt pas mal. On peut rendre la quête. Hein. Ouais, ça, c'est fait. Je vais regarder vite fait si j'ai rien oublié. C'est dommage que les trucs où on loot des livres, ils ont toujours l'impression. On a toujours l'impression qu'ils ont un livre dedans. Vous voyez, quand ils sont vides, ils devraient être comme ça. Ok, l'étage, c'était ça. Et ici. Ah, bah, on a ouvert la porte là. Très bien. Mais c'est marrant parce que ce POI là, en fait, c'est une baraque sur Piloti. Enfin, sur Piloti. C'est une baraque portative. C'est assez drôle. Enfin, drôle. C'est curieux, quoi. C'est un truc qu'on voit pas souvent par chez nous, à part quand ils transportent des mobilhomes sur l'autoroute. Mais apparemment, aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Ils déplacent des grandes baraques comme ça. C'est assez dingo. Hein. Bon, après, hein, c'est les États-Unis. Hein. Ils font tout comme nous, mais en plus grand, quoi. Tiens, il y a le putain d'ours qui est là. On va faire l'ours, quoique. Ouais, si, on va le faire. Ok, bah du merdier, comme d'habitude. Je vais aller voir dans le jardin s'il y a des trucs intéressants. Je ne pense pas, mais on va quand même aller voir. On aura ça à vendre. Je peux le réparer ou pas ? Bon, les couilles d'ours, je les garde. Ok. Ah, c'est là qu'ils doivent la placer, en fait, la maison. Y'a quoi là-dedans ? C'est un chien là-dedans, normalement. Eh ouais, c'est ça. Oh, mais... Ah, il y en avait deux. C'est pour ça. Ouais, c'est étonnant. Hein. Il y a la baraque sur des rails. Mais je me demande comment ils font pour la poser à cet endroit-là. C'est quand même bizarre. Ils doivent faire un peu voir comme les pharaons, quoi. J'imagine. Pas des petits bouquins, là, pour Tonton Jack, là-dedans ? Non. Bonjour. Ok. Ah oui, c'est ça, il est posé là, puis après, quoi, genre, elle glisse ? Ouais, j'imagine. Ça doit être ça, mais le procédé, ça doit être ça. Encore un ours là-bas. Vous voyez là-bas au fond, là ? Petit bâtard. J'en ai qu'un. Allez, suspense.
Ça va, vous aimez le gameplay? N'empêche que je viens d'ouvrir une bagnole avec un seul... Oh! Je viens d'ouvrir la bagnole avec un seul crochet, hein. Comme quoi, vous êtes bien d'accord que quand je joue avec Franck, c'est bien à cause du boucan qui fait que j'arrive pas à les ouvrir. Hein. Parce que quand je suis tout seul, aucun problème. Là-bas, il y a un... Let's go. On rend ça. Oh, la petit... le petit paquet de magazines, là, ça serait top. Alors, ah, du coup, est-ce que je passe... Non, on repassera à la base après. Quoique, j'ai du merdier sur moi. Ouais, attendez, on va passer à la base. Avec un peu de chance, on aura le temps de voir aussi l'autre vendeur. Parce que je sais pas si je me souviens plus si on était allé le voir, en fait. Bon, l'arc, je vais quand même le garder. Hein. Un arc comme ça, là, tout beau, ça, je garde. Tout ça, c'est à vendre. Je vais laisser la bouffe ici. C'est rien que je m'encombre. Moteur, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Bon, on n'était pas venu là spécialement pour looter des trucs. Mais il va falloir qu'on relance la prod, par contre, à l'ancienne base. Oh, toute la prod est arrêtée, terrible. Bon, on a looté, hein. On a récupéré un casque plutôt cool. Donc ça, ça fait plaisir. Il est 20h, on va peut-être avoir le temps de faire l'autre trader pour voir s'il a des trucs. Le magnon nul cul, parce que l'autre, je suis pas sûr qu'on ait... on soit à temps pour l'avoir. Salut. Ah, dommage, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Bon, acier forgé. C'est toujours bon à prendre. On prendrait bien un truc pour la prochaine fois. Allez, boum. Allez, hop. On repasse par la maison. Maintenant, on a un camp ici. On peut venir faire des quêtes, le temps de récupérer ce qui nous intéresse. On va essayer de faire l'autre trader. J'ai oublié de vendre. Eh ben, on va vendre à l'autre. On va vendre à l'autre. Tout était prévu. Évidemment, j'avais prévu de vendre à l'autre. Ça me donnait, moi, ça m'obligeait, vous voyez, à avoir une sorte de rigueur durant le trajet, quoi. Bon, on va quand même se manier le cul parce que là, il faut qu'on arrive chez le trader. Mais après, on va rouler pépère. On va éviter de cramer toute l'essence. Ah, 21h12, touchez-vous le nez. T'avais des trucs nouveaux, hein? Bon, on se prendra ça pour la prochaine fois. Bon, bah, pas intéressant, en vrai. Ah, si, y a ça. Des balles. Je prends. Ok, bah, pas intéressant, en vrai. Faisons pas de bêtises. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, on est au courant que tu fermes. Oh putain, l'ours. L'ours à la sortie. Il était pas là. Il était pas là. Il a popé alors que j'étais pas là. Bon, et ben retour à la base. On va relancer toute la prod. Je vais essayer de la lancer pour longtemps. Il va falloir que je charge à mort les forges. Paumé, là. J'habite où? Ah, j'habite là. Pareil, j'ai vu dans la prochaine alpha un truc qui m'a l'air très pertinent. Je me demande comment ça va marcher, mais ça serait cool. En gros, l'idée, c'est que vous allez pouvoir vous TP d'un marchand à un autre. Donc, ça serait vraiment cool, parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a pas mal de séquences de gameplay qui sont un peu chiantes, au sens où on passe beaucoup de temps à se déplacer d'une zone de jeu à une autre. Souvent, les zones de jeu sont décrites par zone autour d'un marchand qu'on aime bien les voir. Et du coup, c'est vrai que ça, ça serait pas mal, hein, de pouvoir faciliter ça. Après, la question se pose, c'est est-ce qu'on va se déplacer avec nos véhicules et tout ça? Ah bah, on a du monde. Ah bah oui, on a... Mais... Merde! Mais qu'est-ce que ce bordel? Attendez, on a du peuple chez moi? What the fuck? J'entends où? Ah mais oui! J'ai pas mis le bloc de revendication, ça repop. Ah merde! C'est là que ça tape? Oh les petits bâtards. Ah oui? Faudrait une école de TP, sinon ça serait trop abusé. Merde! Putain, mais... Putain, il m'a fait peur cet abruti! Venez par ici! Je vais vous péter la gueule, moi, vous allez voir! Petit bâtard. Ça y est, c'est le bordel!
Rentre à la maison, c'est le bordel. Ah voilà. Non. Putain, en plus je prends des... j'en prends plein la gueule. Faut qu'on aille nettoyer. Hein. What the fuck? J'en entends un autre taper. C'est en bas là? Ah oui, c'est là. Oh merde. Oh non. Oh mais arrêtez de partir sur les côtés. Oh c'est la commotion. Oh petit bâtard. Oh j'ai plus de vie. Oh comment je me suis fait défoncer. Mais ils font chier à partir sur les côtés. Oh puis j'ai pas vidé. Oh là là là, catastrophe. Ouais, je vais vider, je me soigne. Non mais quel retour, quel accueil. Hein. Ça fait taper dessus là. Tout est maîtrisé bien entendu. Bon, faut qu'on pense à mettre le... bloc de revendication, ça me semble tout à fait pertinent comme, comme idée. Ok, c'est parti pour une séquence de rangement. Une séquence de rangement. Voilà, fantastique. Alors, tout de suite, avant même d'oublier, on part là-dessus, on va installer tout de suite un bloc de revendication de terrain. On va relancer la prod comme on peut, mais je vois que j'ai pas beaucoup de ressources. On a récupéré le creuset. Hop, creuset. Ah bah nickel, un petit creuset des familles. Voilà. Ah voilà. Là, on est chez nous, là. Voilà, très bien. Oh, j'ai toujours cette pioche qui manque un, quoi. YouTube, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça t'a plu. Prochaine journée, ça sera tournée des traders pour récupérer du matos. Faire le point. On a le creuset qui est lancé. Normalement, il doit être arrivé. Du coup, on va pouvoir lancer plein d'acier. Et puis, il va y avoir du farm aussi parce que... Bah, on n'a jamais réellement commencé à farmer sérieusement. Et là, on est un peu à court de tout. Donc voilà, je pense que ça me paraît un bon plan. On va adopter une démarche plutôt de grabataire sur la prochaine journée, histoire de se remplir un peu les poches.